brush up your français. Start speaking it now. Brush up your français, and the locals you will wow. Oh, petit troçon va le cheval avec ses grelots. Et le traîneau joyeusement dévale à travers les coteaux. Bonjour, chers francophiles du monde entier, et bienvenue à Brush Up Your Français, le podcast. Je suis Isabelle Nicolas, la fondatrice et directrice de Prêt-à-Parler, l'école de français la plus branchée de Suisse. Et c'est l'école de français en ligne la plus branchée de Suisse. En ce beau mois de décembre, les super profs de Prêt-à-Parler parleront du thème le plus festif et joyeux de la saison. Ben oui, évidemment, les fêtes de fin d'année. Alors que vous soyez un apprenant débutant, intermédiaire ou plus avancé, je vous recommande fortement d'écouter nos épisodes tout en lisant la description, plutôt la transcription, qui se trouve sur notre site internet et c'est www.prêtaparler.ch/podcast. Alors, commençons dès maintenant l'épisode de cette semaine avec nos super profs Brice et Sandra dans leur chronique « On en parle ». Aujourd'hui, ils vous parleront des spécialités culinaires de Noël et de leurs habitudes d'achat. Allez, c'est parti, on en parle avec Brice et Sandra. Bonjour tout le monde, bonjour Sandra. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre petite rubrique « On en parle » avec Sandra et Brice. Aujourd'hui, on continue sur notre thème du mois de décembre qui est les fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu de nourriture. Et oui, parce que la nourriture a toute sa place dans les fêtes en France, hein, dans les pays francophones. C'est vraiment très important la nourriture à Noël et à Nouvel An. C'est vrai, c'est vrai. Tu avais parlé la semaine dernière des spéculoos qu'on reçoit pour la Saint-Nicolas. Des spéculoos, mais oui, c'est tellement bon. C'est tellement bon que pour Noël, je fais une bûche aux spéculoos. Tu sais, le dessert, si je le tourne en spéculoos. Ah ouais, d'accord. C'est excellent. Tu es fan, tu adores du coup. Ok, très bien. Ah, donc, c'est peut-être la question suivante. Est-ce que tu cuisines pour Noël? Est-ce que tu prépares toi-même le repas? Oui, oui, alors je cuisine et toute petite, j'ai toujours aidé mon père et encore aujourd'hui, du coup adulte, j'ai pris la relève et c'est moi qui prépare. Et c'est vrai que Noël, c'est un petit peu calme chez nous, c'est vraiment une fête familiale, donc si tu passes du temps à la cuisine, ça passe peut-être un peu plus vite aussi. D'accord, ok. Donc, vous cuisinez à plusieurs mains, vous êtes plusieurs à préparer le repas ou les repas, est-ce que vous faites deux gros repas pour le réveillon et pour le 25 décembre? Alors nous, on fait surtout le réveillon parce qu'en fait, on ouvre les cadeaux à minuit. Donc, c'est vraiment la vraie fête, c'est le 24 jusqu'à minuit. Et donc, en effet, on prépare plutôt pour le 24 et les restes, on les mange le 25 parce qu'il y a toujours trop. Enfin, j'imagine toi aussi, on prépare toujours trop à Noël. C'est vrai que, alors nous, on célèbre, on mange, oui, tu as raison, on mange un gros repas pour le réveillon de Noël, le 24 au soir. Et le lendemain, on fait un autre gros repas, mais avec cette fois toute la famille, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, les grands-parents. Et du coup, là, c'est un autre. Ce n'est pas chez moi en général, mais c'est dans une autre une maison de famille où on se retrouve tous. Donc oui, là, on fait deux gros repas. Et oui, il y a des restes que très souvent on continue de manger pendant plusieurs jours après. Il y a des restes, mais des restes de quoi? Qu'est-ce que vous préparez en général? Je crois qu'on reste, on est assez traditionnel. On mange du foie gras, on mange des huîtres en entrée, des crevettes pour les personnes qui n'aiment pas les fruits de mer comme les huîtres. Et puis pour le plat principal, ça dépend. En général, le 24, c'est du poisson et le 25, c'est la traditionnelle dinde de Noël. Et toi? Alors moi, ça a changé parce que devenant adulte, je suis devenue végétarienne, mais avant, je mangeais traditionnel. Donc traditionnellement, en fait, chez moi, c'est mon père qui achète toujours de la viande un peu spéciale. Donc une année, c'était du kangourou, l'année suivante, c'était du zèbre, l'année d'après, c'était du requin. Donc il essayait de faire des choses un peu nouvelles.
Et on avait toujours, comme toi, en fait, 3-4 entrées avec des huîtres, du saumon, toujours du saumon pour ma mère, Oui, absolument. c'est vrai. Des fruits de mer, oui, des crevettes comme toi. Le foie gras. Le foie gras, c'est quelque chose que tout le monde apprécie dans ma famille, donc ça a aussi sa place, oui. Mais alors, qu'est-ce que tu manges aujourd'hui en entrée? Alors moi, ça dépend, et tous les ans, j'essaye de varier maintenant que je suis végétarienne, mais en général, je fais des plats un petit peu spéciaux, à base notamment des choses un peu asiatiques, des choses un peu indiennes. Donc l'année dernière, j'ai fait des naans avec de l'houmous maison, avec un... Ah, j'ai plus le nom maintenant, mais c'était un plat, c'était typique indien l'année dernière, disons. Ok. Et l'année d'avant, j'avais fait typique asiatique, tu vois, j'essaye de changer. Cuisine du monde alors pour ne pour Donc le. voilà, puis ça change quoi, puis on reste dans le thème de choses atypiques pour Noël. Ok, ouais, parfait, bien. Et pour le dessert? Ah, le dessert, c'est la bûche. Hein. C'est la Le bûche. dessert, c'est la bûche, oui. Donc la bûche au spéculoos, plus souvent que non. Mais sinon, parfois une bûche au chocolat, ça m'arrive. Ouais. Et Et c'est toi? toujours toi qui l'a, c'est vous qui l'a cuisiné. La bûche, c'est moi qui la cuisine parce que même s'ils en font à la boulangerie, je les trouve un peu sucrées, celles au Ok. spéculoos. Donc je préfère la faire moi-même. Ouais. Oui, moi aussi, c'est chez nous, oui, c'est une bûche en général. Mais pas au chocolat. En général, on fait ou bûche glacée ou aux fruits. Oui, si, parfois chocolat en fait. Ouais. On en a plusieurs. En général, on a deux bûches à chaque fois, ou trois Oui, si c'est on est très ça. nombreux. Et puis on choisit. Tu bois du champagne pour Noël? Ça m'arrive, pas tous les ans, ça Non. m'arrive, oui. Mais en fait, je le fais pour la fête, mais ça me donne mal à la tête. Ouais. Mais je le fais pour chiner avec tout le monde. Tchin tchin, Ok, ah très ouais. bien. Mais par contre, le vin blanc, absolument, hein, beaucoup d'autres choses. Et toi, tu bois le champagne, tu aimes? Ouais, en général, à l'apéritif, champagne, au dessert aussi parfois. Ou alors le digestif. Non, le digestif au dessert plus. Et puis oui, du vin, bien sûr, pendant le repas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu parlais des cadeaux. Tu ouvres les cadeaux le 24, alors, avant À minuit. minuit, en fait. Donc, dans ma famille, ça a toujours été toute petite. Donc, on fait le repas de Noël qui dure jusque 23h30 parce qu'on a tellement de plats à manger. Je Ah vous assure, on mange la bûche à 2h du matin. oui. Et donc, en fait, à minuit moins une, mes grands-parents mettaient le CD de Tino Rossi avec Ah Petit Papa Noël. oui. Et en fait, il y avait tout un rituel où le Père Noël venait nous apporter nos cadeaux avec la chanson. Génial. Génial. Et Bah après, on oui. allait dormir. Et c'était difficile parce qu'il y avait les cadeaux qui étaient là. Ok. Nous, c'est le 25. Le 24 au soir, on fait un Secret Santa, en fait, le 24 au soir, en général, avec ma famille, donc des tout petits cadeaux. Et puis le 25, on fait ouais, l'ouverture de tous les paquets. Ouais. Ça dépend, je crois, hein, ici, il n'y a pas de règle particulière, hein, en fait. Hein, c'est vraiment très. Ça dépend des familles, je pense. Oui, c'est ça. Je pense que dans beaucoup de familles, ils n'ont pas envie que les enfants restent réveillés jusqu'à après minuit. Et c'est vrai que c'était très dur quand j'étais petite, hein. Clairement, on s'endormait un peu. On mangeait. Jouer. Je me souviens qu'on mangeait des tranches de citron pour se réveiller avec Ok. mes cousins et mes cousines. Non, mais quelque chose de. On mangeait du citron comme ça et on attendait le Père Noël. Aïe, aïe, aïe. Bon, d'accord. Et alors, les cadeaux, justement, est-ce que tu les achètes très en avance sur Internet ou tu préfères dans les magasins? Dis-nous. Ah non, alors moi, tout est fait mi-octobre, début novembre, c'est déjà acheté. Waouh, Du ok. coup, à chaque fois, je croise les doigts pour que les personnes n'achètent pas en fait ce que j'ai Eh oui. pensé. Mais bon. Ou ne change pas d'avis d'ici là. Oh, après, tant pis, hein. C'est trop tard. Non, en général, j'y réfléchis toute l'année et c'est des choses de long terme. Ils ont besoin à long terme et c'est D'accord. pas un achat compulsif, tu vois. Ok. Et toi, alors, tu les Bah, achètes quand? tu es mieux organisé que moi puisque j'attends en général. Quoique cette année, j'ai déjà commencé. Donc, c'est assez. Il faut le souligner, ouais. Cette année j'ai commencé, mais en général, décembre. Ouais, décembre. Je n'attends pas le dernier jour, ça peut arriver, mais oui. Et je préfère aller en magasin, si je peux. J'aime bien acheter dans les magasins plutôt que sur Internet. Cette année, c'est un peu difficile, l'année dernière aussi. Oui. Mais j'aime aller faire le shopping de Noël. C'est vrai que. L'atmosphère est toujours très sympa dans les magasins, donc j'aime bien retrouver ça aussi.
Non, je comprends. Moi, j'aime bien faire mon repérage en magasin, mais en général, je préfère quand même commander sur Internet parce qu'il y a toujours des choix un peu. Il y a plus de choix, en fait. C'est vrai que quand tu vas. J'ai beaucoup de neveux, donc je dois acheter des cadeaux pour enfants. Et il y a plus de choix, finalement, sur Internet d'un même produit que si tu vas dans un magasin, il n'y aura qu'un type, par exemple, de ce produit. C'est vrai, ouais, tu peux facilement comparer, ouais, absolument. Bon, très bien. Parfait. Bah, écoute, merci encore pour Et aujourd'hui. merci à toi aussi. Et puis merci à tout le monde de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, Brice et Sandra. Vous aimez améliorer votre français avec nos super profs? Toute l'équipe de Prêt-à-parler est là pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question via notre page de contact de notre site internet. Et ça, c'est www.prêt-à-parler.ch/contact. Vous avez envie d'apprendre avec nous, mais vous n'êtes pas encore prêt à investir dans des leçons privées? Pas de souci. Suivez-nous sur YouTube, Facebook ou Instagram parce que nous partageons avec vous du nouveau contenu gratuit de haute qualité à chaque jour. C'est pas merveilleux tout ça? J'espère vraiment que l'épisode de cette semaine vous a plu et que vous avez appris plein de nouvelles choses avec nos super profs. Brice, Sandra et moi-même, nous serons de retour la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Brush Up Your Français avec Prêt à parler. Merci beaucoup, à mardi prochain et puis joyeuses fêtes à vous tous et à votre famille. Êtes-vous actuellement en train d'apprendre ou de réapprendre le français? French for Everyday Life, le cours en ligne par excellence de Prêt à parler, sera la solution parfaite pour vous si vous aimez apprendre de manière autonome. Conçu par les super profs de Prêt à parler pour les débutants et les apprenants intermédiaires, French for Everyday Life est divisé en 10 modules progressifs basés sur ce que vous devez vraiment savoir pour pouvoir parler français le plus rapidement possible. Ce cours propose plus de 200 heures de leçons de français spécialement conçues pour les expatriés anglophones. Il offre des explications claires en français et en anglais, ainsi que des exercices modernes, pertinents et interactifs qui mettent en pratique ce que vous apprenez. Son joli design et son contenu intuitif sauront vous plaire et sauront garder votre motivation, bien sûr. De plus, French for Everyday Life sera votre parfait compagnon d'apprentissage si vous n'êtes pas encore prêt à investir dans des cours particuliers. Apprenez-en plus sur le e-cours préféré de nos clients en visitant notre site web www.prêtaparler.ch/French for Everyday Life. En décembre, offrez-vous l'amélioration de votre français en cadeau. Brush up your français. Start speaking it now. Brush up your français and the load.